Dans les messages, nous, on nous a fait savoir que c'était urgent. Est-ce qu'on pouvait en parler? Parce qu'il y a Marcel qui est dans un état critique. Et nous, on a demandé, on a posé certaines questions pour comme quoi, est-ce que c'est sûr et c'est vrai? Ils nous ont donné des références. Ils nous ont confirmé. Parce que ces personnes-là sont nos sources de base. C'est des personnes avec qui on collabore beaucoup. Donc, les personnes-là nous ont confirmé que, bien évidemment, ils nous ont donné les lieux, la localisation, de où se trouve même le concerné en question. Voilà. Donc, on va avant d'aller là-bas, se rendre sur le lieu. On est venu ici informer l'opinion publique parce qu'il y a d'autres qui ne le voient pas sur les scènes depuis un bon moment. Donc, pour vous qui ne le voyez plus sur les scènes, on vous tient au courant aujourd'hui et qu'on vous dit qu'il ne se sent pas bien. Il est interné dans une église céleste à Abata. Abata, c'est Yopougon, Abata, non? Non, c'est Faya, c'est chose. C'est où ça? Comment on appelle C'est ça? Non, Faya, c'est sur la la route route de de Daboula. Non, Non, Abata, c'est Benjéville, hein? Benjerville, Ben, pas Daboula. Benjerville plutôt, pardon. Abata, c'est Benjerville. Benjéville. C'est où ça? Benjéville. Abata, c'est où? Benjéville après Faya, là. Benjéville. Benjéville. OK. Il est interné dans une église à Abata. Voilà, dont son pasteur a fait déjà même des révélations où il a dit que c'était comme quoi un sort qu'on lui avait lancé, un empoisonnement qu'on lui avait fait. Voilà, donc nous ici, on vient ici interpeller l'opinion publique, interpeller ses camarades par le canal de ma soeur, influenceur, et mon ami Samasoko et tous ceux qui sont sur le panel, et vous dans les commentaires aussi, afin d'appeler à témoins avant d'aller sur les lieux demain, parce que demain, on va aller sur le lieu. Mais avant d'aller sur le lieu, s'il y a des personnes proches qui sont dans le live, qui peuvent nous donner déjà un petit goût, hein, venez nous informer réellement pour nous mettre sur la ligne, pour nous dire qu'effectivement, ce que nos sources sont en train de nous dire n'est pas faux. Voilà, parce que nos sources aussi peuvent se tromper, on ne sait jamais. Allô? C'est vrai, c'est des sources très fiables, mais on ne sait jamais. Voilà. Vous comprenez, non? Voilà. Toi qui dis qu'il faut aller à l'hôpital, le jour où tu as tombé malade, il faut partir à l'hôpital. Allô, allô? Moi, c'est Voilà. mon Oui, camarade monsieur Marcel. Allô? C'est mon. Oui, Allô? allez-y. Moi, Marcel, Attendez. c'est. Allô? Moi, Oui, Marcel, c'est j'entends. mon camarade, en fait. Je sais C'est pas de ton quoi vous camarade, Marcel? parlez. Mais qui l'a Mets ton muté? micro. Démutez-le, s'il vous plaît. Personne ne l'a muté, c'est muté lui-même. Ouvrir ton micro, monsieur. Checkez en même temps son profil, hein. Ah, Ah, il est il a descendu. descendu. On dit son ami, il dit il est malade, mais il l'a précisé. Ok. Ma foi, Jean-Marc, faut monter, Chance. pardon. Attends, croyons, vous une seconde. Chance, la vidéo là. On dit c'est la partie où il a dit mes soeurs réagissent au mariage de ma maman. À partir de la 36e minute. Vas-y, croyons, vous. Sur YouTube. Oui, sur YouTube. Oui, c'était le mari de la maman de Kevin Aubin, là, je pense. D'accord. On dit là où il avait ses soeurs, on dit mes soeurs réagissent, je ne sais pas quoi, au mariage. Bon, je suis sur YouTube et je vois ici, ma mère s'est mariée légalement. Mes soeurs réagissent au mariage de ma soeur. Voilà, c'est ça. C'est ça. Regarde à partir de la 35e minute, 36e minute. 35e minute, ok, attends. Pour 16 jours, comment il va supprimer, hein? Attends. Ok. En tout cas, Dan Marcel, si tu vas bien, viens nous rassurer. Tu viens, tu montes, ou bien tu es avec un ami, il va te filmer, on va te voir. On veut te voir en chair, en os, bien poto-poto, joyeux, s'il te plaît, si tu vas bien là. Parce que ceux qui vont monter ici pour dire que non, il n'est pas malade, là, on vous attend ici. Attends, il y a des demandes, on va monter les nouvelles personnes là. S'ils connaissent, si on va faire monter les personnes. Peut-être qu'il y a d'autres qui veulent renchérir dessus. Madame Leila, oui, on vous écoute. Leila. Vous m'avez muté, c'est pas méchant, hein. C'est dans ce souci, il est malade. Pourquoi il est dans une église? Moi, c'est pas. Dégage là-bas, Tout jeter son corps Djandjou. là-bas. Toi, t'es Miené. malade ou bien? Djandjou.
Bidakouli, là. Là, tu es une idiote comme ça. Tu penses qu'on peut s'amuser ici. C'est un as, là. Tu as fait un mauvais travail. Deux jours, toi, tu as tombé malade à l'hôpital. Bordel. Avec un wesh pourri, là. Les gens, ceux qui connaissent long français, long, le groupe français, les longues études, c'est eux qui savent dire ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Écoutez, mais écoutez. Écoutez, vous, s'il vous plaît. Quand c'est un Kevin Aubin. Ton téléphone sonne comme ça. Attends. Elle m'a dit même ma chaîne. Il m'a dit non, ma chaîne était malade. Non, actuellement, on dit le téléphone. Écoutez. Oh, mais tu veux une guerrière. Attendez. Oh. C'est quoi ça? Il a dit non que ma chaîne était malade. C'est pas grave. Chance, mets ça à la 35e minute. On va tout écouter. C'est pas grave. Il va supprimer la vidéo. Voilà, voyez la partie. J'enregistre la partie. Est-ce que tu peux mettre ça sans que quelqu'un ne parle? Samasoko, s'il te plaît, une seconde. On va bien d'accord, écouter. Maman. Il faut que les gens écoutent parce qu'au moins, ça montre que votre source n'a pas menti. On va bien écouter. Confiance, notre source ne peut pas mentir. Ah, la source ne peut pas mentir. Moi, je vous crois. Est-ce que vous m'avez jamais donné de fausses informations? Voilà la partie. Attendez. Où on met le volume, l'ami? Aïe, mais pourquoi il enregistre sur YouTube, il n'arrive pas à mettre le volume. C'est quoi ça? Attends, il faut bien. Ok, voilà ça, attendez. Elle était malade. Marcel était invité. Parce que Kevin Aubin, sa mère s'est mariée dernièrement là. On sait que Marcel était toujours avec Kevin Aubin. C'était son bad. Ils étaient toujours ensemble en soirée, même au travail, partout. Il vient de dire ici que Marcel était malade. Vous avez bien entendu. J'espère que vous avez bien entendu. Attends, influenceur, quand on calcule, la mère de Trick et la mère de Kevin Aubin s'est mariée, ça vaut moins maintenant un mois bientôt, hein. Oui. Donc, oui, mais qu'est-ce que semaine, attends, mais il était malade. Est-ce qu'il est guéri? C'est ça. Tu vois, si vous voyez, les gens viennent nous raconter là, c'est parce que peut-être qu'il a essayé Maxime, tout, ça ne va pas. Il a laissé rabattre chez l'électrique, chez les passeurs pour qu'ils prient pour eux. Vous êtes dans les commentaires, vous pensez qu'on est con, on s'est levé pour un vieux, pour un non venir dire quelque chose sur panel. C'est pas bien. Oui, non, que ça, il fait des courses. Il dit à ce que je vais monter mes collègues. Oh. J'ai couru à aller porter un bobo rapidement. Il a monté ses collègues. Oh, si vous avez fini de partir, ils sont venus s'asseoir dans le premier pour me demander une nouvelle du bébé, tout ça. Il dit à tout le monde. Ah, partez maintenant. Et puis après, ils sont partis. Dès que je suis parti net, il dit bon, il revient. Il dit ok, non, je suis venu en chambre pour me changer. Il est rentré rapidement. Il est allé dans la douche directement. Il s'est rien fait rapidement. Il dit tant que je vais. Autour de la chambre, là, il massacre ma main dans le départ, dans le couloir, en train de me brasser, il fait les choses. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Moi, il veut faire ça. Puis, le monsieur m'a divorcé. Il dit, en train de faire, que bébé, tu m'as trop moqué. Il dit, il dit, dans le couloir, au salon, il est pas le traîne, il dit, ah, tu m'as moqué, tu m'as moqué. Il est cité comme ça, il dit. On fait toutes les choses à faire. Il m'a appelé en bas, il se fait en direct au film. Et on me dit, je me fais, ah, tiens.
Et à moi aussi, j'ai la tête. En tout cas, on a fait le truc, mais juste un peu après maintenant. Il m'a pénétré. En tout cas, c'était tellement intense, tellement doux, tellement intense, mais j'ai dit, quand on a fini, il dit, allons dans la douche, on va terminer, allons dans la douche, en tout cas, on a bien fait la douche, c'est intéressant. Quand on a fini, on est venu se reposer un peu. Après, les enfants sont venus, bon, ils ont vu, on a dormi un peu. Le soir, tout le monde au lit à 20h. Tout le monde au lit à 20h, ils sont allés se coucher. Tout le monde. Et ma soeur, elle m'a dit, va te coucher, elle, le bébé, tout ça, dans moi, sur ma mère, on va se coucher. Le salon, on était deux seulement. Il y a un bébé, tu m'as trop moqué, tout ça. Ce que tu m'as dit de faire, il caler sa tête, et puis je lui parle, je lui fais le câlin. Dans ce salon, il y a un bébé, que faut pas tes parents, là, parce qu'on fait le mariage maintenant, que c'est un peu franchement, il se passe pas très d'attendre, hein. C'est lui qui t'a dit ça.